c'est vous qui défendrez nos intérêts. Bien sûr, dans les domaines qui ne sont pas de la diplomatie, de la sécurité, mais dans tous les autres domaines, c'est vous qui pourrez faire en sorte que, par exemple, il y ait des règles commerciales un peu différentes d'aujourd'hui. Où aujourd'hui, les produits venant de la zone caraïbe ou de la zone américaine rentrent, et vous ne pouvez pas, vous, exporter vos produits chez les voisins. Il faudra là encore de la réciprocité. Bravo. Voilà, chers amis, ce que j'étais venu vous dire. Ayez confiance. Et en même temps, prenez-vous aussi en main pour l'exercice de vos responsabilités. Je sais qu'il y a eu un grand débat en Guyane, comme d'ailleurs dans les autres régions d'outre-mer, de savoir s'il fallait être dans l'article 73 ou 74, ce qui pour la population n'était pas si facile. Il y a eu un choix qui a été fait, celui de l'article 73, vous avez une collectivité unique. J'ai l'impression que ça ne se passe pas si facilement. Mais c'est le choix. Et moi je ferai confiance aux élus et à la population. Et je leur dis, et notamment devant le président du Conseil général, si cette collectivité veut un moment prendre, parce que la loi lui permettra, des responsabilités, y compris législatives, eh bien cette collectivité les prendra. C'est vous qui déciderez à chaque étape de ce que vous devez faire pour votre territoire. Et si il est très clair que c'est dans la République que votre destin se situe, la République vous donnera la liberté d'organiser votre destin. C'est-à-dire de prendre à chaque fois les responsabilités que vous voudrez exercer. C'est le droit de chaque territoire de s'organiser avec cette certitude que la République sera toujours là pour, non pas vous venir en aide, mais vous donner le cadre dans lequel vous pourrez exercer vos propres compétences. La République, c'est une capacité de vivre ensemble. La République, ce sont des valeurs, des principes qui nous élèvent tous. Cette République, elle a besoin de tous, de tous les territoires, de tous les citoyens qui doivent se dire qu'ils vivent ensemble. Et oui, vivre ensemble. Pas facile d'imaginer qu'un paysan corrézien que je connais puisse savoir qu'il existe un citoyen français au fin fond de l'Amazonie. Et que l'un et l'autre sont pourtant de la même nation. Ils s'ignorent, parfois se jalousent, et en même temps, ils doivent avoir conscience qu'ils ont le même destin. C'est ça la République. C'est de penser que où nous vivons, nous sommes ensemble, dans des territoires très différents, dans des conditions sociales parfois très éloignées. Nous sommes ensemble. Et nous portons ensemble les mêmes aspirations. Nous voulons être libres, nous voulons vivre dans la dignité, nous voulons nous élever, nous partageons une culture, nous pouvons avoir parfois même des expressions, des langues différentes que nous devons d'ailleurs reconnaître. Et nous portons un message dans le monde, parce que vous n'appartenez pas à n'importe quelle nation. Vous êtes la France dans toute sa diversité, vous êtes la France. Et la France, elle élève celles et ceux qui appartiennent à cette ensemble et à cette communauté. Vous êtes la France et donc la France vous doit aussi reconnaissance, respect et doit vous faire sentir que vous pouvez réussir. Moi je n'ai qu'un seul message à donner dans cette campagne. Je veux redonner confiance à la France. Elle doute d'elle-même. Il faut dire qu'elle a été plutôt maltraitée depuis 5 ans. Secouée même. Elle est fatiguée. Elle est même fatiguée de ceux qui l'ont dirigée. Et elle va leur donner du repos à eux et du travail à nous. La France, elle s'interroge. Elle vit quelquefois avec douleur lorsqu'elle est déclassée, y compris par la perte du triple A. On nous dit, mais ce n'est qu'une agence. Les autres ne nous ont pas encore déclassés. Et voilà qu'on nous remet encore dans les mains de ces agences. Mais moi, ce qui compte pour être jugé, ce n'est pas les agences qui me donneront la bonne indication. Ce sont les Français, ce sont les citoyens qui jugent les politiques. Et
Ce que les citoyens regardent, ce sont les résultats. Oui, depuis 5 ans, les résultats ne sont pas là. Chômage élevé, vie chère, inégalité croissante, comportement au sommet de l'État qui échappe à la morale publique. Et puis, toutes ces valeurs qui font notre fierté, qui se trouvent abîmées par des déclarations, des lois, des comportements, qui font que nous doutons de nous-mêmes, que nous pensons qu'il y a des adversaires au sein de la République, et qu'il faut même maintenant faire la distinction entre les Français de toujours et les autres. Chaque fois, avec cette tentation de nous opposer les uns les autres, alors que nous sommes dans le même ensemble, eh bien, c'est de tout cela qu'il va falloir s'émanciper. C'est ce changement-là que vous attendez. Parce qu'il faut changer. Changer de président, c'est nécessaire. C'est la condition. Mais pas seulement changer de président, ce sera pour simplement un rejet. Nous sommes pour changer de politique, changer de méthode, changer de stratégie pour le pays, changer d'avenir, changer de perspective. Voilà, je suis le candidat du changement. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir donné cette force grâce à votre enthousiasme, à votre soutien, à votre générosité, à votre amitié. Je m'en souviendrai. Et je reviendrai en Guyane. Je reviendrai dans une autre qualité. Ce que je veux, c'est une nation qui ait confiance en elle, qui ait confiance en ses dirigeants et qui se dit qu'elle a un avenir et que cet avenir passe par la reconquête non pas du pouvoir, la reconquête de la dignité, de la fierté d'être ensemble dans le même mouvement qui est celui de l'égalité, qui est celui de la liberté, de l'identité, du respect. Alors, faites en sorte, vous, amis guyanais, de donner par ce déplacement trop court à tous ceux qui vont vous regarder. Parce que les médias sont venus avec moi, il ne faut jamais les mettre de côté. Je les salue avec respect aussi. On verra ces images et on se dira finalement, on fera la comparaison entre aujourd'hui et un peu plus tard. Mais en fait, en sorte que quand en métropole, nous verrons les images de l'un, de l'autre, on se dise que vous avez fait votre choix. Et que c'est finalement le choix du changement. Merci à l'Union.